suis Romain Baquet, je suis directeur de l'école Autisud depuis maintenant 13 ans. Donc Autisud qui est une école située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et on a beaucoup d'élèves en grande difficulté. Pour notre école, il y a une première action qui a été mise en place, qui a débuté au retour des vacances de janvier. C'est l'action Jouons ensemble, qui est menée par la Ronde des Bambins. On a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à maîtriser la langue française et le jeu de société est un bon support pour développer le langage oral, mais également les compétences de numération, les compétences de calcul. Donc voilà, donc on a mis en place cette action. Et donc on mélange une classe de CP avec une classe de CE1. On s'installe dans une grande salle et des jeux de société sont installés et chaque enseignant ou des parents d'élèves que l'on invite à l'école ou des stagiaires qui sont à notre disposition, qui sont là pour apprendre leur métier, encadrent des enfants et donc il y a un ou deux adultes pour des groupes de 4 à 5 enfants pour vraiment favoriser les échanges langagiers et le développement de compétences en mathématiques. En jouant comme ça sur des séances d'une heure, on va développer des compétences sociales, évidemment, puisqu'on joue avec les autres. Donc apprendre à gérer ses émotions, apprendre à attendre son tour, apprendre à perdre, c'est important. Et puis, on va aussi développer des compétences plus scolaires, parce que parfois, il faut compter, parfois, il faut utiliser le langage verbal. Donc, on va aussi apprendre à structurer sa pensée. Donc on va s'inscrire vraiment dans cet apprentissage avec le biais ludique qu'est le jeu de société. Et donc cette action ludique autour des jeux de société nous permet de faire entrer les parents et de les faire jouer avec leurs enfants et de leur expliquer comment on joue avec leurs enfants afin de peut-être espérer qu'ils puissent reproduire ces gestes-là à la maison et peut-être limiter au maximum peut-être les écrans ou les temps où ils ne font rien.